Privé de Maffi, suspendu ou de Camille Lopez au repos, Marc Delpoux, le manager catalan, affirmé aligner la meilleure équipe du moment. Ses hommes l'ont confirmé. Mené 7-3 à la pause, après une mi-temps marquée par de nombreuses imprécisions, les Catalans remettent la main sur le ballon. Michel s'en va inscrire le premier essai des locaux, les Catalans repassent devant 10-7. Perpignan n'est plus la même équipe, le deuxième essai signé Wandile Mekewu, 3 minutes plus tard, est un modèle du genre. Perpignan est dans un nouveau temps fort. Ça sort pour Hook. Mekewu, quelle puissance. Mekewu, qui est en train d'être complètement décisif. Deuxième essai en quelques minutes. Largement dominateur en mêlée, les Perpignanais inscrivent un troisième essai par Pearl. Et le ballon pour les Catalans avec Durand. Durand qui a cherché sa recette de Fifinois, ça profite à Tiosil Pearl qui va marquer le troisième essai des Perpignanais dans ce match. Mekewu, véritable détonateur catalan, s'offre lui un doublé après une longue chevauchée. Malgré une dernière réalisation d'Édimbourg, Perpignan s'impose 31-14, bonus offensif en prime. Première mi-temps, il y a eu des bonnes actions aussi, on a échappé trop de ballons, on a été fébrile au contact et on n'a pas pu scorer. On s'est dit qu'à la mi-temps avec 7-3, on revenait à 3 points, on n'était plus qu'à 1 point et voilà. Et jusqu'au bout, là, on est allé chercher le bonus, c'est une bonne chose. Hein.